nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Vous le savez, notre rendez-vous, c'est tous les mardis. Et mon but, mon rêve, c'est de vous faire changer de perception et que vous arriviez à comprendre que le changement, il peut être imminent, il peut être rapide, il peut être durable et il peut être surtout instantané. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le monde des grenouilles. Oui, oui, vous avez bien entendu, on n'est pas au zoo. Monde des grenouilles. Alors ça, c'est un village de grenouilles qui cohabitaient bien, qui étaient heureux, heureuses, et de temps en temps, ils se lançaient des petits challenges. Et un des challenges qu'ils avaient lancé, c'était de gravir jusqu'au sommet de la montagne. Et évidemment, le gagnant avait un super beau prix, etc., et beaucoup de rétributions. Sauf que le challenge, cette fois-ci, était vraiment très, 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 très dur. Et donc, il démarre. Et il y a le speaker qui, derrière, commente la course. Alors, les premières grenouilles démarrent, etc. Et il commence à commenter en disant « Ouh là là, ça a l'air d'être vraiment dur. On a déjà pratiquement 10 dames grenouilles qui ont abandonné. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être simple. Il y a de plus en plus les gens qui abandonnent. » Et c'est vrai qu'on sentait que plus la pente était importante, plus les grenouilles abandonnaient les unes après les autres, les unes après les autres. Et il voyait que finalement, il ne restait plus qu'une dizaine. Sur une centaine de grenouilles, il n'y avait plus qu'une dizaine qui se battaient, qui étaient fatiguées, qui étaient crevées. Et puis les gens accompagnaient doucement en voiture les petites grenouilles qui continuaient la course. Et elles étaient là, « Oh non, mais c'est trop dur, elles n'y arriveront jamais, ça ne va pas être facile, personne ne va y arriver, c'est trop loin. » Et puis au fur et à mesure, les grenouilles, c'est vrai, les unes après les autres, abandonnées, les unes après les autres, abandonnées. Et puis il y en a une qui a tenu bon. Elle a tenu bon et elle est montée, elle a gravi, elle a continué. Les gens disaient, mais c'est pas possible, elle va pas y arriver, mais non, mais elle va se fatiguer, elle est en train de se tuer. Et elle n'écoutait personne, elle y allait. Elle est arrivée enfin, esquintée, essoufflée, éreintée, mais elle a été la seule à relever le challenge. Alors tout de suite, on vient lui faire un tonnerre d'applaudissements et surtout, la presse locale est venue l'interviewer en lui disant, mais comment vous avez réussi à faire? Mais c'est incroyable, vous êtes la seule grenouille à avoir pu gravir aussi loin et atteindre le sommet de la montagne. Vous avez fait ça comment? Vous n'avez pas entendu tous les gens qui n'ont pas arrêté de dire, mais c'est impossible, tu n'y arriveras pas? Et elle leur a fait, en fait, elle était sourde. C'était une petite grenouille sourde. Et heureusement qu'elle était sourde parce qu'elle n'a pas entendu tous les découragements que tout son village lui attribuait pendant sa course. Et bien, des fois, ça fait du bien d'être sourd. Des fois, vous allez rencontrer dans votre vie, moi, ce que j'appelle les casseurs de tripes et les voleurs de rêves. C'est-à-dire qu'ils font une projection sur vous. Eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils font une projection sur vous en vous disant, mais toi aussi, tu ne le sais pas encore, mais moi, je le sais, tu ne pourras pas le faire. Et malheureusement, ce qui a fait échouer toutes ces autres petites grenouilles, c'était tout le village qui les accompagnait, mais avec, au lieu de les supporter positivement, il les supportait négativement en disant « tu ne vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est impossible à faire, tu vas te fatiguer ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une grenouille après l'autre a fini par abandonner, sauf celle qui était sourde. Elle a dû certainement écouter son petit dialogue interne « je vais y arriver, un pied devant l'autre, on y va ». C'est pas grave, j'y suis presque, je suis la dernière, je suis la première. Donc des fois, vous avez un rêve, gardez-le pour vous. Ça ne sert à rien de le partager avec des gens, pour peu qu'ils soient casseurs de rêves, enfin voleurs de rêves ou casseurs de tripes, ça sera exactement le même résultat qu'avec les petites grenouilles. Écoutez votre propre voix intérieure, écoutez votre propre intuition qui saura forcément vous amener au bon chemin et au bon endroit. À bas les casseurs de rêves, à bas les casseurs de tripes, vive la surdité et allons-y franco pour nos rêves. C'était Nahid Rached pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Hada huwa et lahfdkom.